Avec Bertrand Aurignac, 4 points ce soir, je le disais avec Thomas, forcément du bien au niveau mental et au niveau mathématique. Oui, bien sûr, on sortait d'une défaite à domicile contre Aix qui nous a fait beaucoup de mal et d'un déplacement très compliqué à Oyonnax. Donc voilà, on avait un seul mot d'ordre, renclencher la marche en avant au niveau du classement. On a pris 4 points aujourd'hui, je pense qu'on s'est rassuré sur les valeurs de base, sur le combat. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il faut s'en contenter, il faut fonctionner par étapes. Aujourd'hui, on a pris 4 points, tout le monde est content et puis continuer à travailler sereinement pour les autres semaines. Justement, on a vu côté Narbonne une belle seconde ligne. Il y avait eu dans la semaine des questions sur les absences d'un tel ou d'un tel. Et avec Nick, vous avez répondu présent, vous avez fourni un gros travail ce soir. Merci, ça fait plaisir. C'est vrai que je n'ai pas été forcément beaucoup sollicité depuis le début de la saison. Voilà, après, il y a eu deux joueurs qui sont arrivés, qui sont Josh Fourneau et Gonzalo Uva, qui ont de suite pris leur place. Voilà, c'est tout à fait logique. Donc voilà, mais j'attendais avec impatience l'occasion. Elle est venue de leur sélection internationale, donc c'est positif pour eux, c'est positif pour moi. On est tous très contents. Bon, Nick, on le connaît, ça fait un petit moment qu'il tourne. Voilà, et puis j'espère que comme ça, on va pouvoir mettre peut-être en place un peu plus de roulement pour pouvoir garder tout le monde de frais et puis que tout le monde y trouve son compte et soit content. Alors ce soir, on savoure, mais en ligne de mire, il y a Auch parce que vous savez, sur les 6 matchs du bloc 3, il y a quand même 4 déplacements. Et la prochaine balade, j'allais dire, c'est Auch et c'est tout sauf une balade. Auch, c'est tout sauf une balade. C'est toujours compliqué d'aller faire un résultat à Auch, même si on l'a fait il y a quelques années. Donc ben voilà, il faut s'en inspirer. C'est possible. Voilà. Donc c'est vrai que cette année, on n'a pas encore gagné à l'extérieur. Surtout se mettre en confiance à Auch. Si possible, ramener des points, ce serait positif. Surtout derrière, il y aura un déplacement à Béziers qui va valoir extrêmement cher dans un sulfureux derby entre guillemets et un match qui comptera double pour un duel entre mal classés. Donc voilà, j'espère que toute l'équipe aura à cœur de faire une grosse performance là-bas et que tout le public narbonnais sera derrière nous. Bien, merci sur ces belles paroles, on va te souhaiter une très bonne soirée. Avec plaisir, merci beaucoup.